as I have the very great privilege now to introduce the President of the Democratic Republic of Congo, and a good friend and somebody that I admire and who is doing a great job in leading, Mr. President. Professor Kamau. So wonderful. Thank you. Mr. President, I think, will the President speak in just a moment? Just to, if I could introduce the President briefly. Mr. President, yes. it's a great privilege to have you at Columbia University. Thank you. And to have you on the campus. It has been my great privilege and honor to meet with you several times in Kinshasa and other parts of the world, at the United Nations, Paris. In Paris, yeah. On many occasions to discuss the challenges that your country faces and your vision for how to surmount those challenges. And you have a big vision. And this is absolutely exciting and wonderful. You have in front of you, as well as your distinguished delegation, I want to make sure you see the Director General of UNIDO, okay. Geert Müller, whom you know as one of the world's leaders in sustainable development. And before you arrived, we were talking about how UNIDO can play a great role in helping DRC to develop the battery supply chain or Grandinga and the other great opportunities that you face. Well, President Tshisekedi is leading a country with many, many challenges and many huge opportunities because, of course, the DRC is a vast country with vast resources, with the great beauty, with great natural wealth, with remarkable biodiversity, with remarkable cultural diversity, and also a country that has been plagued in history with a tremendous amount of exploitation from outside, because the president inherited a country that really went through more than 150 years of outside exploitation and difficulty, a country that was brutally colonized by an individual who happened to be a king of the Belgians, but he took much of the region of today's DRC as a personal fiefdom, not even as a Belgian colony originally, but just as a personal possession, told the world that he was engaging in humanitarian activities when in fact he was engaging in ruthless, brutal, slave-based exploitation of the great resources of the country. That continued for many decades. It was followed by Belgian direct rule of what is today's DRC. At the end of Belgian rule, there was a really horrible period where instead of what could have been the beginning of a bright democracy with a brilliant young political leader at the time, Patrice Lumumba, the CIA and the United States got in between and really destroyed the early days of DRC's chance for democracy, even with the assassination of this young leader that is still admired around the world. And what ensued was many decades of dictatorship backed by the United States, I'm afraid, and then many, many years of conflict, and there still is conflict. So, Mr. President, we know the great challenges that you hold on your shoulder. We
admire you and your country. We're here also to hear you, your ideas for the future, and how the world can help to support them and to build the Democratic Republic of Congo that you seek and that we all seek. Thank you for being here, Mr. President. Merci. Mesdames et messieurs, représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, distingués invités et participants, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous ici à l'Université de Columbia. Je me permets de saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude envers le réseau des Nations Unies pour le développement des solutions durables, pour m'avoir accordé le privilège de prendre la parole à l'occasion de la 11e conférence internationale annuelle sur le développement durable en vue de partager les expériences et les solutions pratiques afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Qu'il me soit permis de remercier également les organisateurs, le Global Masters in Development Practice, et en particulier le professeur Jeffrey Sachs, président du réseau pour des solutions de développement durable, pour son engagement sans faille et inconditionnel à la problématique du développement durable en République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la présence remarquée des représentants des universités, des gouvernements, de la société civile, des agences des Nations Unies et du secteur privé, venus de différents abords qui participent activement à la réflexion sur les principaux défis et opportunités en matière de développement durable à mi-chemin de l'agenda 2030 des Nations Unies. Mesdames et messieurs, les rapports de suivi de progrès ODD 2020-2022 indiquent que les progrès en matière de développement se sont inversés sous l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de COVID-19. Dans cette foulée, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements des populations atteignent de nouveaux records. Les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique et existentiel des plus graves. Mesdames et messieurs, le principe « ne laisser personne de côté » est au cœur de l'agenda 2030. Une cible ne peut être considérée comme atteinte si elle n'est pas atteinte universellement. Ainsi, agir pour vaincre la vulnérabilité et la pauvreté en ne laissant personne de côté constitue donc une condition sine qua non pour atteindre les ODD en République démocratique du Congo. Des politiques courageuses et urgentes doivent être prises afin d'élargir les mesures de protection sociale et d'endiguer les inégalités des revenus, mais aussi pour soutenir les personnes vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme le nôtre. Pour répondre à l'ambition, il faut lancer une dynamique de passage à l'action qui implique de nouvelles formes de gouvernance favorisant à la fois une approche transversale et une mise en cohérence des actions conduites à différentes échelles par toutes les parties prenantes au développement. Cette vision et cette approche des ODD ont inspiré la feuille de route d'accélération des ODD
adopté par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse, afin de provoquer une transformation sociale et économique nécessaire pour réaliser les ODD à 2030. Son objectif principal est de disposer, avec les sectoriels et autres acteurs de mise en œuvre des ODD, des interventions spécifiques à fort effet d'entraînement pour lever de manière efficace et durable les goulots qui freinent la mise en œuvre des ODD sur les prochaines années. Les propositions et engagements repris dans la feuille de route d'accélération des ODD se structurent autour de 6 axes prioritaires qui regroupent thématiquement les 17 ODD. Mesdames et messieurs, de prime abord, un climat de paix et une bonne gouvernance constitue un atout majeur pour la réalisation des ODD. Les institutions efficaces ont des effets positifs sur tous les ODD en permettant une meilleure allocation des ressources tant matérielles qu'humaines, un espace pour la redevabilité, la responsabilisation et la participation. La triade constituée de la bonne gouvernance, la paix durable et des institutions fortes permettent une meilleure jonction entre les 3 piliers de développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Si des avancées ont été enregistrées sur le plan institutionnel en République démocratique du Congo, plusieurs goulots d'étranglement persistent. La corruption reste endémique. Aussi, les conflits persistants, principalement à l'Est, ne permettent pas un développement institutionnel. Il ne peut y avoir de développement et encore moins de développement durable dans un contexte où règnent l'instabilité, la violence et le conflit, avec leur lot de souffrances pour les populations et leurs impacts extrêmement négatifs sur l'économie. Évidemment, la paix seul ne suffit pas. Il faut un engrenage qui permette au pays de prendre des mesures adéquates pour innover en termes de réforme. Ceci n'est possible que dans un pays où les institutions sont efficaces et les distorsions liées à la corruption bannies ou contenues. Le deuxième axe prioritaire de la feuille de route d'accélération des ODD concerne le développement des infrastructures énergétiques, hydrauliques, de transport et numériques pour soutenir la croissance. À ce propos, il convient de rappeler que la République démocratique du Congo a un potentiel énergétique énorme. Hormis le potentiel solaire, éolien et en biomasse, 890 sites ont été identifiés et localisés pour des aménagements hydroélectriques sur l'ensemble du pays, totalisant plus de 100 000 mégawatts. Paradoxalement, plus de 80% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité, avec de fortes disparités. Avec une économie de plus en plus intensive en énergie, cette carence constitue une des principales contraintes à une croissance durable et inclusive. Les technologies modernes, la croissance de la productivité et le développement d'activités à plus forte valeur ajoutée nécessitent davantage d'électricité. Le déficit en énergie, couplé au déficit en infrastructures de transport, constitue une des principales contraintes à l'accélération de progrès vers les ODD en République démocratique du Congo. Pour un pays aussi grand que la RDC, en termes de superficie, la réhabilitation des infrastructures de transport endommagées reste une priorité. Une meilleure connectivité peut raviver l'activité économique et stimuler la croissance, conditions nécessaires pour sortir des millions de Congolais de la pauvreté et de la vulnérabilité. Par ailleurs, l'accès universel à une source d'eau améliorée se pose avec acuité dans notre pays, principalement dans les milieux ruraux, où moins de 40% de la population a accès
à l'eau. À première vue, le secteur de l'eau urbaine semble avoir relativement bien performé. À ce jour, plus de 80% de la population urbaine a un accès à une source améliorée d'eau, principalement par le service public national, la Régie des eaux. Toutefois, un examen plus approfondi révèle une image plus problématique. La croissance rapide de la population urbaine a conduit à une hausse du nombre de citadins sans accès à une source d'eau améliorée et la qualité de l'offre s'est détériorée. Le troisième axe cible le développement de l'agriculture et des industries de transformation pour assurer la modernisation structurelle de l'économie et créer des emplois décents et bien rémunérés. En effet, les années de mauvaise gouvernance, des conflits et instabilité ont conduit à l'effondrement de l'agriculture. Le développement agricole et par ricochet l'amélioration des revenus tirés des activités agricoles et des activités rurales non agricoles peut contribuer à la création d'un cercle vertueux dans lequel la demande que génère la croissance agricole crée à son tour une demande de biens et services produits localement et non exportables. Un des défis de la République démocratique du Congo est de rendre l'agriculture nettement plus productive afin de parvenir à une plus grande sécurité alimentaire et de permettre le développement d'un éventail plus performant et diversifié de capacités productives. La République démocratique du Congo devra œuvrer pour augmenter la part de production agricole dans le produit intérieur brut. C'est tout le sens de notre objectif de la revanche du sol sur le sous-sol. Le quatrième axe prioritaire réunit les propositions et les engagements orientés au renforcement du capital humain, plus particulièrement les questions relatives à la santé, l'éducation et la protection sociale. L'un des principaux moteurs de la croissance, de la productivité, de l'innovation est le développement du capital humain. Un système de protection sociale bien conçu et mis en œuvre constitue un élément puissant pour valoriser le capital humain, réduire les inégalités, renforcer la résilience et lutter contre la pauvreté. En instaurant des régimes universels de protection sociale, y compris des socles de protection sociale, la République démocratique du Congo peut garantir que personne n'est exclu et que la prospérité est partagée. Ainsi, l'étroitesse de la sécurité sociale en République démocratique du Congo constitue un réel goulot d'étranglement pour un développement qui ne laisse personne de côté. On estime seulement à 9,6% de Congolais qui bénéficient d'au moins un des éléments du socle de la protection sociale. Par ailleurs, la sécurité, l'accès à la santé et à l'éducation sont des puissants vecteurs de développement durable. Elles contribuent par leurs efforts transversaux à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la vulnérabilité. S'agissant de l'éducation, des progrès fort appréciables ont été accomplis au cours des années passées. La gratuité de l'éducation instaurée en 2019 est venue davantage accélérer des progrès en récupérant des millions d'enfants autrefois exclus du système scolaire. Le nombre d'élèves nouvellement inscrits oscille entre 4 et 5 millions d'enfants et plus de la moitié de ces enfants sont des jeunes filles qu'on a pu ramener dans le parcours scolaire grâce à la mesure de la gratuité de l'enseignement. Toutefois, malgré ce progrès, le système éducatif congolais fait encore face à de nombreux défis. Autant la réforme de la gratuité a sans doute récupéré les enfants non scolarisés, autant elle a généré d'autres problèmes dans le système éducatif, parmi lesquels une pression sur les infrastructures. Donc nous devons faire face plutôt
un besoin croissant de construction d'écoles. Quant à la santé, la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis cruciaux. Le paludisme et autres maladies endémiques continuent malgré des progrès enregistrés. Par exemple, pour la seule année de 2021, plus de 21 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, dont 48,76% concernent les enfants de moins de 5 ans. Les infrastructures sanitaires sont non seulement insuffisantes, mais aussi délabrées et dysfonctionnelles et en manque d'intrants essentiels pour une meilleure prise en charge des malades. La couverture vaccinale, malgré les progrès accomplis, reste faible. Face à ces défis, les efforts sont centrés sur la mise en place d'une couverture sanitaire universelle. L'objectif poursuivi est d'assurer des services de santé de qualité et abordables, quelles que soient les capacités financières de chacun. Une fois mise en place, la couverture sanitaire universelle permettra ainsi de renforcer la solidité des systèmes de soins de santé primaire, réduire les risques financiers associés à une santé dégradée et accroître l'équité entre les citoyens. Sous ce registre de réformes visant à assurer la couverture santé universelle, il convient de noter qu'au regard des proportions inquiétantes de la mortalité maternelle et infantile à travers le pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au début de ce mois de septembre au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Par ailleurs, dans la perspective de réduire rapidement la pauvreté ainsi que les inégalités spatiales, le gouvernement congolais a initié le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Ce programme, qui est actuellement en phase d'exécution, vise à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Le cinquième axe concerne la lutte contre les changements climatiques. Il regroupe tous les engagements, les programmes et les projets visant à restaurer les écosystèmes terrestres et marins. La République démocratique du Congo détient 10% des forêts tropicales du monde et les plus grandes tourbières du monde, couvrant 100 000 km². Le bassin du Congo est l'une des dernières régions du monde à absorber plus de carbone qu'elle n'en émet. Il absorbe chaque année près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit 4% des émissions mondiales, équivalent à 10 ans d'émissions mondiales. Le pays devra œuvrer pour la préservation de ses ressources forestières en luttant principalement contre la déforestation. Cela est d'autant plus crucial que la forêt congolaise est sous pression. Il est inéluctable que la lutte contre la déforestation et la bonne gestion de la forêt doivent se baser sur le développement rural, la réduction de la pauvreté et une meilleure sécurité alimentaire. Le pays devra donc mobiliser des ressources diverses pour répondre au double défi de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Par ailleurs, le gouvernement congolais met tout en œuvre pour lutter contre les changements climatiques et limiter, voire même mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins et terrestres. C'est dans cette perspective que le pays s'est résolument engagé depuis 2015 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030 en fonction des financements internationaux avec des actions clés dans les secteurs de forêt, de l'agriculture et de l'énergie.
Le dernier axe de la feuille de route se propose de renforcer la mobilisation des ressources et des partenariats diversifiés pour soutenir la mise en œuvre des ODD. En effet, l'un des principaux défis de la mise en œuvre de l'agenda 2030 est le financement. Les ODD sont extrêmement ambitieux et exigent des moyens de financement colossaux, à défaut desquels il sera impossible de les atteindre d'ici 2030. Selon le Fonds monétaire international, un rapport de 2023, les dépenses supplémentaires nécessaires à la réalisation des progrès conséquents dans 5 domaines primordiaux, la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, l'assainissement et l'hygiène et l'infrastructure routière, en 2030, s'élèvent à 43,9% du PIB. Devant de tels besoins, la République démocratique du Congo devra mobiliser des ressources internes et externes sur la base d'une feuille de route pour assurer le financement des dépenses nécessaires. Toutefois, il est aujourd'hui largement admis que le financement des ODD repose en priorité sur des décisions à prendre au plan national et local, car c'est à cette échelle que peuvent être assurées la cohérence entre les différents objectifs et la redevabilité qui en découle. Aussi est-il indiqué de s'assurer que les ressources mobilisées sont efficacement affectées pour plus de résultats. Pour accélérer les progrès vers les ODD, le gouvernement doit repenser la dépense publique en la protégeant contre les chocs des prix par des mécanismes tels que le fonds souverain, mais aussi en créant suffisamment d'espace budgétaire afin d'investir les ressources publiques dans les secteurs porteurs de croissance. Aussi, il est crucial que le pays accélère les réformes dans la mobilisation des recettes intérieures hors ressources naturelles. Mesdames et messieurs, représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, distingués invités et participants, mesdames et messieurs, alors qu'il ne reste que 7 ans avant l'échéance de 2030, nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence. Tout en réaffirmant la vocation de mon pays à continuer à mettre en œuvre des mesures accélératrices au cours de cette décennie d'action, je voudrais terminer en rappelant à la mobilisation générale, en vue d'inverser la tendance actuelle et de répondre aux urgences auxquelles font face les Congolais. Ainsi, l'accélération effective des progrès vers l'atteinte des ODD en République démocratique du Congo nécessite un accompagnement efficace et durable de partenaires de développement, du secteur privé, de la société civile et d'une jeunesse inspirée et engagée, telle que représentée aujourd'hui dans l'enceinte de la prestigieuse Université de Columbia. Je vous remercie. Thank you. Merci. We just have just a minute to thank you. We know you have a busy, very busy schedule. It's a really great honor to host you here and also to hear about the roadmap to sustainable. Oh. Mr. President, I was thanking you again and saying how gratifying it is to hear about the roadmap to sustainable development that you have laid out with the priorities of education, healthcare, green energy, sustainable agriculture,
urban infrastructure and digital economy, you've really laid out a comprehensive approach to the DRC's sustainable development. And you've also called on us for partnership, and I want to reassure you of that full partnership. We have a great commitment to your country. We have great young leaders, such as the one whispering in your ear, because Harmony Kobange is our graduate from Columbia University, so give her a round of applause. And she leads the SDSN team in Kinshasa, working with your team, Mr. President. So we're very, very excited and pleased. And you've laid out a plan of action for us to help you as well. I think when we reflect on a couple of the things the President has told us, it's extremely important. DRC is home to the greatest untapped potential for green hydropower in the whole world in the Congo Basin. Grand Inga has the potential, if you develop the Congo Basin, for at least 70 gigawatts of absolutely high-quality hydropower. The electricity that's needed to provide the electrification of the DRC and much of Central Africa, other neighboring countries as well. And the DRC is an absolutely vast country, is also home, as you heard, to 10% of the world's tropical forests, and home to some of the greatest biodiversity in the world, and also humanity's closest cousins, the bonobos and other great ape populations in this marvelous, wonderful habitat, this unique habitat of the DRC. So the DRC plays an absolutely central role in achieving the two great environmental goals of clean energy to stop the global warming and the protection of biodiversity. One point that I'd like to add in encouragement, you do have many, many friends and partners. And UNIDO is one of them. Another we saw yesterday, and I had the chance to speak with President Lula of Brazil, who will be president of the G21 next year. Remember, ladies and gentlemen, we now have a G21, not a G20, because the African Union has become a permanent member. Okay. And this is very important, Mr. President. If you, as one of Africa's great leaders, can help all of your colleagues to really take advantage of this new important opportunity, this puts Africa right at the front of the world's deliberations. And with your partner in Brazil, President Lula, who is a great partner, this is a tremendous opportunity in the year ahead. Exactly. And Brazil also, just to say, together with the President, President Lula, President Tshisekedi, and President Jokowi of Indonesia, have launched a partnership for the great tropical rainforests around the world. So there are the BRICS, but there's also the BICS. Brazil, Indonesia, and Congo. So, Mr. President, we want to conclude. If you'd like to say any more words, we've already asked you and kept you a little bit beyond time, but we want to thank you so much for being here and pledge to you the full support of all of us for
the success of the Democratic Republic of Congo. Merci. Comment ça va se passer? Ça va le micro. Oui, pour la traduction, je parle, vous traduisez ou direct? Ça va. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Je ne cesserai jamais de vous remercier assez pour votre engagement aux côtés de mon pays. Nous avons plusieurs fois discuté de cette situation, du développement durable, et je sais que vous êtes un partenaire essentiel pour la République démocratique du Congo. Je laisse la traduction. Thank you very much, Professor, for your continued support to ensuring the sustainable development of the DRC. I know that you have a very strong support, and I would like to thank you for the invitation today. Alors, s'il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est par rapport à la protection de nos forêts. Le professeur Sachs a expliqué ici ce que le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo représentent dans le monde comme possesseurs de forêts tropicales. On a, à nos trois pays, 52% des forêts tropicales du monde. So the Professor Sachs explained the crucial role that the DRC, Brazil, and Indonesia play in order to protect the world's rainforest. Thank you. To protect the world's rainforest, as you know, these three countries hold more than 52% of the world's rainforest. Et comme je l'ai dit dans mon discours, la forêt du bassin du Congo est l'un des plus grands, plus importants poumons du monde, avoir la captation de CO2 dont il est capable. And as I put the emphasis in my speech, the Congo Basin with its rainforest has the capacity to captivate most of the world's global emission of carbon. Et donc, pour que cela puisse continuer et au besoin même s'améliorer, nous avons besoin non seulement de protéger les forêts actuelles, mais en plus de reboiser davantage nos forêts. So in order to ensure that we can continue, we need to ensure that we can protect our forest in order to fight against climate change. Et à ce propos, je voudrais attirer l'attention de l'opinion ici sur le fait que nos forêts sont en danger et pour diverses raisons que je vais étayer ici. And I would like to draw the attention to the fact that our rainforests are in danger, and I will explain why. La première raison, c'est l'activisme des groupes armés. Vous avez par exemple dans le parc de Virunga, qui est une des plus grandes réserves naturelles du monde, à l'est, qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo, dans le nord Kivu plus précisément, où se passent actuellement des activités des groupes armés soutenus principalement par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo, piller les ressources naturelles de notre pays et s'adonner à cause de ces activités au déboisement, à l'abattage de la faune, à la destruction de la flore, et bref, à la déstabilisation de l'écosystème de cette réserve naturelle. So the first reason that I would like to draw the attention to is the fact that there is an armed group activism in the eastern part of the country. So for instance, in the Virunga Park, which is one of the biggest parks in North Kivu, armed groups with the support of Rwanda are contributing to the pillage of resources of our country, which leads in result to deforestation, to the destruction of biodiversity as well. L'autre menace à la déforestation, c'est la démographie galopante. Les populations qui croissent davantage s'approchent de plus en plus des abords des forêts et vivent de celles-ci
pour avoir du bois de chauffe, pour le logement, ou parfois même pour leurs activités agricoles, les obligeant de détruire la forêt pour planter leurs produits. Une autre menace par rapport à la déforestation. In English. Oh, sorry. Désolée. Another threat regarding to deforestation is population growth. So as a result of population growth, we have population who live in this forest, use wood to cook, and also use the forest as in order to live there as well. And they also use the forest that we have to lead their agricultural activities. Et donc, nous avons besoin de mobiliser tous ces financements promis par les pays pollueurs, non pas comme de l'aide qu'on apporterait à un pays sous-développé, mais comme respect de l'engagement qu'ils ont pris eux-mêmes à soutenir les pays qui polluent le moins et qui contribuent d'ailleurs à lutter contre la pollution des pays comme le nôtre, et de nous aider à renforcer nos positions et nos capacités en aidant nos populations, en apprenant à nos populations d'autres méthodes de substitution devant préserver nos forêts. Et il y en a de ces méthodes-là. On peut aujourd'hui avoir des produits qui éviteraient de devoir couper le bois pour se chauffer ou pour cuisiner. On peut utiliser aujourd'hui des produits de substitution. On peut faire, par exemple, de l'agriculture, de l'agroforesterie, sans devoir détruire la forêt, comme c'est le cas actuellement quand on fait de l'agriculture sur brûlis, où on est obligé de brûler des étendues importantes pour devoir planter. Donc vous voyez qu'il y a des méthodes sans détruire la forêt, au contraire, même en la reboisant, on peut maintenir le cadre de vie qui est celui de nos populations et les empêcher de détruire la forêt, au contraire même de leur apprendre à protéger celle-ci et à comprendre quelle est l'importance essentielle pour leur propre survie de cette forêt, de l'état de cette forêt. We need to mobilize funding as promised by the international community. So I would like to put the emphasis on the fact that this is not aid to our countries. This is in fact to ensure that they can support countries that pollute less in the world, in addition to helping reinforcing our capacity to teach our populations the means to preserve our forests. For instance, we can have products to avoid cutting woods in order to cook. We can also engage in agroforestry without destroying the forest. There are methods to ensure that we don't destroy the forest and to ensure that while doing so, we can preserve the way of living of our populations while teaching them the importance of preserving our forest. Mr. President, just to say that this is exactly our commitment to help raise the practical means for protecting and saving the forests. We know that's also President Lula's objective. You and President Lula and President Jokowi have a big voice in the world. And so I think that this is something absolutely practically achievable during the coming year, even for commitment and announcement and funding during the coming year. So we're going to work with you on that. My colleague, Emma Torres, who is in the front row, works with the Brazilian government and the Indonesian government, and now with your team to help put this in place. And we can assure you of our strong, strong commitment to that. Very practical results, exactly as you call for. Let me thank you, Mr. President, again for being here. Ladies and gentlemen, please thank President Tshisekedi. Merci. 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 Merci.
Thank you. Thank you. Thank you.